l'as déjà entendu, mais je pense que ça venait la peine qu'on lui pisse ce chant. On a chanté à quelques occasions. Je pense que c'est bien ce qu'il veut dire, Colette, pas le côté. Notre-Dame.
notamment de Lévi, et il a été saisi. Puis c'est-à-dire que le début, il a rien, hein. Puis tout à coup, il m'appelle. Le lendemain, il dit, madame, vous l'envoyez, vous besoin de moi. Qu'est-ce que t'es? Elle dit ça. Elle dit, j'ai été touchée, là. Il a besoin de moi pour faire vos photos, les films, tout ça. Il m'explique tout ça. Ben, viens voir. Et on va discuter ensemble. Alors, il est venu voir. Il est avec moi depuis. Depuis 96. Oui, oui, oui. Alors, j'ai lui fait mes films. Et quand les DVD sont faits, des fois, quand il m'écrivait, là,
Oui, c'est ça, en gros, ça c'est mon avis. Il n'y a pas besoin d'écrire toute l'adresse au complet. C'est agréable. Mission de Saint-Anne. C'est vrai? Oui, c'est ça. Moi, je mets ça du barrage. OK. Alors que je ne peux pas lui mêler plus qu'il faut. Il n'y a pas besoin de tout. Il n'y a pas besoin de ça. OK. Google, ils vont trouver mission de Saint-Anne. Alors, bonsoir. Et merci d'être là, parce que je ne pourrais pas faire ça, ce que tu là. J'ai besoin de vous autres, hein, c'est sûr. Hein. Et pour commencer, parce que c'est, vous savez, c'est une impressionnant là, que je fais ce soir. C'est la dernière fois, hein, depuis 24, 23 ans, et je suis quasiment pas croyable que j'ai tout fait ça. Sans aucune douleur. Sans aucune fatigue, j'ai couru partout dans le monde. Il n'y a pas de place que je ne suis pas allée. Partout. De la Chine à jusqu'à Québec. Et partout. Aux États-Unis, j'ai tout fait de chaud. Je me demande comment est-ce qu'on a fait pour faire ça. On avait les grands spéciales. Pour aller expliquer, annoncer le message de Saint-Anne, qui sont les commandements de Dieu. Ça a l'air bien jeune, hein? Parce qu'ils ont des dernières Moïse, c'est vieux, hein? Mais c'est un copain. C'est notre passeport pour le ciel. C'est ça qu'elle m'a dit. N'oublie pas de dire à mes petits-enfants que le commandement de Dieu, c'est votre passeport pour le ciel. Vous n'entrerez pas autrement. Et Jésus est avec moi. Il est tellement beau. C'est un peu pour ça. Nous autres, les femmes, on tomberait amoureux de ce homme-là, physiquement. Il est beau. Il est 6 pieds, tout à pied. Mais je voulais l'embrasser. Puis je voulais prendre le bras, moi, un peu. J'ai parti pour me lever. Puis là, je prends le bras. Ne touche pas. Mon Dieu, je n'ai pas lui touché. Mais je l'ai vu. Je le regardais tout le temps. Il dit qu'on est mon ciel, ouais, il dit. Ah oh, ben là, je vais l'enlever, là. En tout cas, moi, je vais y aller certain. Il dit, si tu savais. Comme Dieu vous aime. C'est lui qui nous a créés pour lui. Pas n'importe qui nous a créés, là. C'est Dieu lui-même. Hein? Et c'est quand il parlait de son Père, Dieu, qui est un Dieu aussi. Il vous a tout donné. Il vous a gardé. Il vous a donné. Les commandements de Dieu, c'est votre passeport pour le ciel. Les sacrements. Les 7 sacrements. Il m'a envoyé sur la terre fonder les sacrements. Et il vous a tout donné. Il vous a même gardé. Il vous a donné le plus beau cadeau du monde, la miséricorde. D'un fou, d'un fou d'amour. On va y faire une affaire à l'envers. Hein? Il nous pardonne. Par le prêtre. Le prêtre, qui se fait comme il voudra. Qui sait beau, qui sait laid. Qui sait qu'il y a un péché, c'est pas notre affaire. On n'a pas d'affaire à juger ça. Avec son sacrement. De l'ordre, hein, il est la confession de moi. Qui sait comme il voudra, vous avez compris? Bon. Et il faut prier pour les prêtres, au lieu de parler mal des autres. Je sais, je m'encourage, je reçois chez nous. Je reçois des évêques et des prêtres chez nous. Je reçois pas de monde, je sais que j'en arriverai pas. Alors je reçois des prêtres et des évêques. Et ça arrive encore, hein, chez nous. Là, ils savent que ça va rester à moi, ils vont dire. Ils commencent à définir. Ils ne veulent plus partir. Des fois, on est obligé de les garder souper et coucher, même. Parce qu'un jour, elle m'a dit qu'ils vont me faire une chambre de prêtre. Ah oui, qu'est-ce qu'ils vont faire ici, là? Je vais m'en envoyer, inquiétez-vous pas, on t'a envoyé une prêtre. Ça fait que là, ils ont une chambre de prêtre, là, bon, on est sur le sol, hein, vous avez une chambre de prêtre, mais à côté de la chapelle, ok? Ah non, mais ils viennent 3-4 jours chez nous se reposer, prendre un peu.
penché envers une grand-mère. C'est pas moi qui sépare ça. Ils sont sûrs que c'est ce que ces grands-mères. Ils ont une foi à transporter les montagnes. Et moi, ils ne veulent plus s'en aller. Je suis obligé de les garder soufflés. Puis ils veulent coucher encore. Alors qu'ils sont 3 jours, 5 jours. Les gars, ils sont heureux. Et puis là, quand ils sortent, quand ils repartent, ils ne veulent même pas. Ils ont reçu une nourriture spirituelle pour continuer, hein, pour aller chercher les âmes. Si on l'a aussi, c'est leur job. C'est leur job. Hein? Sauver les âmes par le sacrement de la miséricorde. Il n'y a pas de plus grand sacrement. C'est le plus beau cadeau que Dieu nous a donné, la miséricorde. Il n'y a seulement qu'un péché qui ne pardonne pas. Tout est pardonné. N'importe quel meurtre de tout. Un péché ne peut pas pardonner. Le péché de la foi. Si vous n'avez pas la foi, vous perdez la foi et vous ne croyez plus en lui. Parce que il a fait vraiment en lui, il a tout tombé, il doit être comme. Vous ne pouvez pas rentrer dans sa maison. C'est impossible. Le péché de la foi. Alors c'est pour ça que je me dis qu'on est mieux de ne pas se poser de questions. On est mieux de croire qu'il y a un Dieu qui est venu sur la terre, nous ouvrir les portes du ciel qui étaient barrées à double tour. C'est ça. J'ai pas fait d'études, hein. Mais. J'ai vécu l'amour avec Jésus depuis ma tendre enfance, depuis que j'étais orpheline. Et mon père m'a donné à une religieuse. Elle a passé par la maison, puis elle passait pour ramasser des sous. Mon père ne gênait pas. Et j'ai fait mourir ma mère, j'ai tout vu. C'est la colique. Mon père a perdu 10 enfants. Et puis elle a préservé deux derniers. Mon père était là. Mon frère était là. Quand j'ai fait Jésus, il est décédé, c'est 15 ans. Et moi, je suis en religieuse. Parce que mon père m'a donné, il ne savait plus quoi faire avec moi. Je ne mangeais plus, puis j'étais pour mourir. Je faisais 50 livres à 13 ans. Un bébé, c'était comme ça. C'était quasi ma vie. Je pleurais trop. J'attendais mon mari. J'étais sûre que mon mari allait venir. Puis j'avais appelé, puis je faisais un compte ouvert. Tout à coup, elle viendrait dans la maison. Il était tout seul dans la maison. Mon père avait été à travailler. Alors, quand j'avais de la peine, je criais après mon mari tout le temps. Je ne sortais plus dehors. Je faisais des poissons, ma belle. Je ne faisais pas dans ce une dépression. Alors, mon père savait de quoi faire. Et quand il arrivait pour souper, il m'a dit j'ai fait une salouette, quelque chose. Ah non, je ne peux pas. Ma mère va arriver. Fait que, là, il a fait de la pression, c'est pas normal. Alors, hein. Et puis, c'était. Tout s'est arrangé parce qu'à un moment donné, mon père, il se lève debout. Après qu'il lui mangeait son sandwich, qui s'est fait. Et je me rappelle encore, il était beau avec un bon pain. Il mesurait 6 pieds, un grand. Et tout à coup, il se lève debout et il se mange nous, comme ça. Il a dit, on va prier, ta mère. Parce que tu vas mourir si tu ne manges pas, tu n'as pas de bon sens. Fait que là, je le vois à genoux, il se prenait par le cou. Hein. Là, il commence à crier à sa femme, Hélène. Elle s'appelait Hélène. Hélène, viens-t'en. Viens, ta petite fille va mourir. Elle mange plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Fais quelque chose. Appelez 50 livres. Voyons encore pas de bon temps. Ça fait que là, il y a tellement crié, un cri d'alarme. Puis là, Hélène, viens, elle prend soin. Moi, je ne suis pas capable. Ça ne mange plus. Ça fait bon temps. Fait que là, imaginez que tout à coup, le lendemain, ça sonne à la porte le dimanche. Et il va répondre, t'as une religieuse, une grande religieuse, puis t'habillais en blanc, puis avec un scapulaire roi là-bas. C'était une sorte de Saint-Antoine de Padoue. Ben, ça, je l'avais perdu. Il me retrouvait à Dieu, quand même. Hein? Les objets perdus. Ça fait que là. Et tu me suis dit, monsieur, tu peux. Et je viens, je ramasse des sous pour la nouvelle de la communauté, qui n'est pas très jeune, mais on a besoin de l'argent. Ma soeur, j'en ai plus, je n'ai tout plus mon argent. T'es un alcoolique. On m'a perdu 10 enfants à force de la bête. Hein? Et moi, j'ai pas vu ça qu'elle m'a abattu, mais c'était les 2 enfants qui avaient pu relever. Monsieur Curé, l'église de Valleville, que je restais. Et il dit, Hélène, si tu veux avoir 2 enfants, toi, allez parler tout le temps, il y a de la tête tout le temps. Si tu veux en prendre 2 à 3, passe en 2 pour relever. Monsieur Curé, il y a toujours un gros. Ça prend
rapport à savoir maintenant. Fait que là, moi-même, tout à coup, sa sœur meurt, et puis elle est obligée de prendre son filleul qui avait 5 ans. Et là, tout à coup, elle ouvre ma mère, voilà qu'elle en prend deux, il a dit. Alors, on va prendre ça. Alors, si elle a peur avec tous ses enfants, elle était tellement battue, on tient. Hein? Pour ça que les gens viennent me voir, moi-même. Puis là, là et, tout à coup, deux ans après, là, moi, je suis arrivée. Bon, alors c'était. Avant la première fois, quand je suis arrivée, elle était tellement contente à m'appeler Colette. Et savez-vous, Marie-Rose Colette. Parce que elle était Baptiste Rose qui est arrivée. Comme ça, maman la s'appelait Rose. Et c'était extraordinaire, ça, sa rose. Papa, il s'est converti. Tellement qu'il était content. Et j'avais déjà ces missions-là dans le cœur, mais je ne savais pas vraiment. Alors, maman m'a payé à 25 piastres au frère André. Elle l'a envoyé ça. C'est une mission de frère André. Il y a autant de miracles qu'elle est. Et puis, là, tout s'est arrangé. C'est extraordinaire. Mais il était trop tard. Maman était tellement malade. Elle n'a pas gagné. C'est ça. Et puis, la religieuse a dit, elle arrête d'avoir, on voit les deux. Ça sonne à la porte, la religieuse. Elle était grande, une grande religieuse, en blanc, et avec un scapulaire en avant. Hein. Fait qu'il avait rentré, monsieur, on part pour avancer quelques sous pour la communauté, tout ça. Il dit, ma soeur, j'en ai pas de sous. Je ne retourne plus, j'ai fait mourir ma femme. Mais j'ai un enfant à bout d'année. Fais moi un enfant. Je t'ai raconté lui-même, je le tenais bien dur parce que je voulais le faire avec lui pareil, voilà. Il était converti. C'était comme un saint de bien tout le temps. Oui, mais madame, monsieur, on ne prend pas d'enfant. C'est pas bon sens. Si vous ne l'apprenez pas à mourir, ça va être votre faute. Bon, ben nous, là, à commencer à réfléchir un peu, hein. Alors regarde, vas-y, est-ce que tu veux venir avec moi au couvent avec les religieux? Tu vas voir comme tu vas être tellement bien. Là. Tu vas aimer ça, tu vas voir. Puis les petits sœurs, ils vont. Fait que si, les sœurs étaient tellement bonnes envers moi. Alors ils m'ont envoyé pour essayer de prendre à lire, à écrire. Je n'avais pas été à l'école encore. J'avais 13 ans. Alors, imaginez, ils m'ont fait écrire un livre. C'est un miracle, cette affaire-là. Voyons. Fait que là, imaginez que c'était merveilleux de ce qui s'est passé. Bien, elle a dit, c'est ma petite fille, je t'ai au demain, veux-tu t'en venir avec moi? C'est tous les petits moments religieux, ils vont faire manger, ils vont aider, tout ça. Hein. Ben, j'ai dit, je vais voir ça, moi, là, c'est tout. C'est quand même dans l'auto de la communauté. Puis, mon papa, il va faire ta valise, j'ai pas de valise, quand même, comme ça. Puis là, j'arrive là, les religieux, tout après moi, c'était comme le bébé qui arrivait, pour ça, au clair. Et là, la première année, je mangeais bien, puis là je grandissais, tout ça, là. Et puis ça allait bien. Alors, elle a dit, tu veux rester avec nous autres, hein? Tu fais une vraie religieuse, avec certains qui faisaient la religieuse. Mais là, il faut t'envoyer dans le jumel là, parce que si tu vas pas au jumel là, mais tu ne sauras pas lire. Il y avait un jumel là, et ça rentrait bien. Alors, ils m'ont envoyé au jumel là un an. Alors, il fallait que j'aie 15 ans pour rentrer religieuse. Comme la petite Thérèse, elle avait 15 ans, elle est allée au pape. Moi, j'ai été à l'évêque. Je suis venue continuer à venir ensemble pour pouvoir rentrer à 15 ans. Et là, j'ai vu l'affaire. Et j'étais heureuse, là. Et là, elle a dit, tu vas changer de costume, tout ça, là, par exemple. Du coup, j'étais à l'école comme à l'école apostolique, là. J'ai mes noms. Et puis, ben là, tout à coup, j'ai eu 15 ans. Et vous pouvez rentrer. Vous avez 15 ans. Non, vous ne pouvez pas rentrer. Ben oui, comment ça se fait? Vous ne pouvez pas rentrer. Elle dit, vous n'êtes pas grandi. Grandi? Ben oui, je vais grandir, prends la peur. Hein? Non, c'est pas ça. Là. Vous ne comprenez pas, vous n'avez rien là. Hein? Comment, qu'est-ce que c'est que je dois avoir? Ben, vous soyez grandi. Grandi, ben oui, inquiétez-vous pas, je vais grandir. C'est pas ça, là. Mais on ne veut pas vous prendre au couvent religieux. Parce que vous n'avez pas vos menstruations. C'est ça! Quelle est votre somme?
Regarde, on est vrai, docteur. Ah oui, docteur, quel docteur. Faut qu'il vous examine. Un pays ici en haut. Oh. Bon, enfin. Alors, j'arrive à l'hôpital. Puis, mais non, il dit, le docteur tremble. Oh mon Dieu, va avoir le docteur. Ne regarde pas le docteur. Il est trop grave. Hein. Mais là, il dit, faut que je vous examine. Partout. Ah oui. Parce que vous allez vous montrer à sortir de l'humain, parce que c'est dangereux. Comment ça? Tu vas mourir. J'ai pour ça que c'est ça de bord. En fait, lui, il me pose le désamètre. Dites-moi, en fait, là. Il dit, je vais vous donner un billet. Un papier, comme de quoi, si vous voulez que vous vous mariez, mais vous êtes fier. Oh oui? Qu'est-ce que vous m'avez fait? C'est pas ça. Ça fait mal. Ça fait mal, puis l'examen est passé. Mais il dit, vous avez pas d'utérus? Qu'est-ce que c'est ça, l'utérus? Ça fait rien tout. Je ne réponds jamais dans le train. Il n'y a pas dans le train. Il faut être sur ma conférenceur. Pour faire grossir votre utérus, c'est gros comme un mois. Mais ben, ça peut pas ça. Donc, ils m'ont soigné. Et puis, pour que j'en aie un, il fallait que j'aie ça. Alors, moi, je me dis, moi, le Saint-Jean, maman, crie à maman, mais oui, mais tu m'as pas parlé de ça, maman. J'ai dit, je peux pas rentrer pour maman, tout ça. Tout est à faire, hein. Et là, j'ai crié, je veux faire une chirurgie pour que je rentre là. Et puis, c'était merveilleux.
enfin, non, je ne serais pas dans la femme, vous savez, hein, si vous mariez, vous n'auriez pas pareil. Parce que quand tu t'es russe, elle est grosse comme elle est moi. Il faut avec la grossesse pour avoir un enfant. Mais je n'avais pas d'enfant, voilà. Je ne savais pas qu'elle est dans le plus tard. Non, c'était extraordinaire. Et là, on fallait marier leur nom pour prendre un nom dans les yeux. Moi, j'aimais les anges. Alors, j'ai dit, je vais m'appeler Sœur Marie-Saint-Michel Archange. Le boss, le premier des anges. J'ai vu, ils vont venir me chercher quand je mourrai. C'est incroyable. Ils vont mettre. Elle m'a dit ça, mais elle m'a dit, je vais envoyer Saint-Michel Archange, ton patron religieux, qui va venir te chercher par ton sommeil. T'as aucune douleur. Comme j'ai pas, là, hein? Il va partir de maintenant, là. Ah, il va prendre mon arbre, parce qu'il va prendre ça, là. Parce que moi, c'est clair, c'est là. Il va prendre une arbre, il va mettre ça en dessous de son... de son... voyons, de... comment est-ce qu'il va dire ça, là? En dessous de son lien, en dessous de son lien. Ouais, quand mon mari est en train de me parler, j'avais la couffette, mais c'est une connaissance que je n'ai pas fait, non? Ça crie tout le temps, elle dit, oui, j'ai toutes sortes de choses, hein. Fait que quand mon mari commence à me parler, elle lui dit, qu'est-ce que j'ai là pour faire là? Je ne te comprends pas, quand mon mari, alors, hein? Comme ça, mais là, tu vas me comprendre. À qui est-ce qu'on a couffette dans mon mari? Il faudrait que j'y que guérisse. Et j'en parle, je savais très bien, hein? Et puis, on a dit, il va mettre ton âme sous son fondel, il va te monter au ciel directement. C'est moi qui vais t'ouvrir la porte. Parce que tu as été envoyé l'amour pour mes petits enfants de la terre. Moi, je fais tout un cadeau de faire ça. J'ai commencé à réfléchir un peu, hein. Mais c'était bien vrai. C'était extraordinaire, tout ça. Et elle a dit, mais j'ai dit à moi, est-ce que tu penses qu'il peut m'échapper? Hé, tu me vois, là. Comment, hein? Quand tu vas m'échapper. Alors, elle m'a répondu, t'es bien comme un enfant. Tu resteras toujours comme un enfant. Ouais, ça va t'échapper. Mais on ne l'envoie pas pour rien, là. Après ça, il va venir te porter. Je te retrouverai la porte du ciel de la dévorer pour toi. Et puis, je vais te présenter ma fille Marie. C'est le cri de Marie. Je vais te présenter ma fille Marie. Marie va te fleurir la terre. Je comprends encore moins. Oui. Marie va te fleurir la terre. On va te prendre par les mains, toutes les deux, et on va te conduire à Jésus, mon petit-fils Jésus. Il va te remercier d'avoir dit ton but d'amour pour tes frères et tes sœurs. C'est le remercie qu'ils vont donner. Alors, ça va être extraordinaire tout ce qui va se passer. Et j'ai tout vu ça. Et ce soir, je vais vous parler. Là, je vous ai dit bien des choses, parce que je pourrais vous garder toute la nuit, mais alors, c'est comme ça, hein? Ils sont pas regardants, si elles en ont des histoires. Ouais. Ouais. On n'aura pas le temps s'ennuyer, on va le savoir. On va le savoir. Et c'est aussi, pendant la période de l'année, on s'ennuie, tantôt, puis vous allez, je vais vous donner chacun 5 reliques à m'amener dans les cas. Et comme ça. Parce que mon Claude, il s'occupe des films, il s'occupe aussi des photos. Alors, c'est carrément bien choisi. Ça, je peux vous le dire. Bien choisi. C'est ça. Alors, ça va être quelqu'un qui a besoin. Il est libre, c'est comme un infirmier, un médical. C'est quand il n'y a pas de travail, alors, il s'organise pour m'aider. Je vous dis, c'est tellement grand que moi je me sens ratissée. Tellement je suis petite à côté de cette grande mission-là. Et j'ai pas de réponse pour vous dire comment ça se fait, moi ou un autre. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Et voyez, vous ne devez pas m'attendre. J'étais stérile, je ne voulais pas. Et quand on s'est appelé, j'ai dit, mais ça, moi je n'en ai pas d'affaire. C'est pas du virus, c'est gros comme un mot. Alors, mais oui, il m'a fait une réponse. Jamais je n'oublie ça. Mais il a dit, écoute, on va faire notre croisier, la porte de sol. Voyons, c'est ton Dieu qui va nous donner sa main. Humain, il veut savoir si on, il veut nous en donner, nous en prêter. On est
vous prêter. Mais on va la voir. Et ils vont s'éparer. Et puis j'ai perdu le premier. Ta chambre de toilette. Je l'ai baptisé. Je vous ai parlé. Il bouge encore. Je prends le mauvais chien. Et non, avant une ambulance, on va à l'hôpital. Le directeur de Dieu vous a dit, vous ne rendrez pas vos enfants. J'ai dit, vous n'êtes pas le bon Dieu. Mon mari dans le vous m'avez dit. OK. Vous avez perdu, vous allez tout récupérer. OK, correct. On va ensemble. Ça fait que, 2 ans après, j'en ai le tort premier. D'un coup, j'en ai un autre, un pauvre garçon. Et je l'appelle Michel. Parce que je m'appelais ça Saint-Michel Arcange. Puis mon directeur spirituel s'appelle Michel. Puis il a dit suprême, le 2 juin, la même date que mon fils est mort. Elle m'a fait des plaisirs extraordinaires, tu sais. Fait que je l'ai eu. Et ensuite, 2 ans après, je voulais avoir une petite fille. J'avais une petite fille. Ben, j'ai eu une belle fille. Hein, d'ici, Danielle. Un bébé formidable, toi d'ouvrage. C'est extraordinaire. Et c'est la personne que plus tard, je ne sais pas, peut-être qu'elle ne sait pas, mais c'est elle qui prend soin de moi, de l'éternel. La soin des religieuses. Je suis tellement encore religieuse. C'est elle qui va prendre soin de moi. Dans la maison. Et ensuite, il y a eu un autre, mon corps que je vous ai parlé après-midi. Complètement converti. OK, je reconnais plus. C'était dur d'aller le chercher. C'était dur. J'ai dit des mots comme ça. J'ai rentré dans ma maison. C'était dur. Mais je l'ai fait par amour. Parce que je l'aimais trop pour la laisser perdre. J'ai dit tout ce que j'avais à lui dire. Maintenant, il me remercie. Maman, c'est tout que les parents soient comme ça. Seraient comme ça, diraient la vérité à leurs enfants. Il y en aurait moins qui devraient l'empêcher. C'est quelque chose, hein. Et ensuite, je voulais avoir une petite fille, parce que je ne voulais pas laisser Daniel toute seule. J'ai dit, il faut qu'elle ait une petite sœur, pas possible. Hein? Et là, j'ai prié très fort. Et puis, c'était une petite fille que j'ai eue. Mais ça venait par un frère qui s'appelait André. Alors, on était au service tout seul. Et puis, si j'ai un enfant, fille ou bon, j'ai dit, je l'appellerai André. J'ai eu la petite fille. Elle travaille au gouvernement. Elle prend soin d'une douzaine de personnes au milieu du travail. C'est quelque chose, vous savez. Alors, elle est belle, fine, intelligente. Elle a droit aux enfants, comme je vous disais. Et ensuite, ben là, on va dire qu'il y en a un autre, hein? 38 ans, 39 ans. En tout cas, j'ai dit, Jésus, tu peux revenir, je ne suis pas là. Et là, j'ai dit, un beau bébé extraordinaire. Je l'appelais Richard. Moi, j'étais riche de celui-là. Puis elle m'a dit, ne se mariera pas. OK? Il va prendre soin de vous autres. Et c'est ça qu'il fait. C'est un grand pharmacien. Intelligent. Fin comme tout. Beau comme un cœur. Extraordinaire. Puis il est avec le Seigneur. C'est toutes des choses de même qu'elle m'a parlé parce qu'elle savait. Elle savait que je l'aimais, puis pour faire ce qu'elle me demandait, c'était difficile. J'avais plus de liberté. Il fallait que j'accepte tout ça. Qu'est-ce que les abeilles vont dire? Qu'est-ce que les prêtres vont dire? Monsieur Wallet était d'accord avec moi, mais cet homme m'a choisi un de ses confrères, monsieur le Puissien. J'ai quitté toutes les 2 ans, il savait que je ne pouvais pas inventer ça. Hein. Et j'ai 400 prêtres. Faites le tour du monde. J'ai 15 évêques avec moi. Et ils s'aperçoivent que je ne peux pas inventer la fête de même. Je ne serai pas capable. T'sais. Et ça continue depuis tant. Et là, on va faire un petit silence pour parler un peu à Jésus. Parce que Jésus, vous savez, il m'a donné une relique. Je vais vous donner 5 reliques et des petites reliques. Dans notre connaissance, moi je l'ai fait en grand, à la bonne Saint-Anne, à ma ville de grand diplôme, comme ça, la relique. Et c'est extraordinaire. Ici, voyez-vous, mon livre était là, je ne savais pas que j'allais écrire un livre. Il était là, mon livre, le livre de Marie.
C'est incroyable. Il est là. C'était en 92 que c'est arrivé ça. Bon, c'est cette relique-là qui est bénie, exorcisée par mon directeur de l'Église qui a les exorcisé ça avec ça. Alors, on va s'arrêter un petit peu là. Et puis, on va prier vraiment avec Jésus qui a tout souffert pour nous autres, pour qu'on soit heureux. On a le droit d'être heureux. On a le droit d'avoir un peu d'argent pour avoir du plaisir à vivre aussi, de bien manger et bien s'habiller. On a le droit de tout ça. Et pour surtout l'aimer. L'aimer. Demander, c'est lui sur la croix. C'est lui que j'ai vu, que je vois dans un temps. Vous savez, c'est la plus difficile de la mission, de dire aux gens que je voyais Jésus, que je voyais Marie. Surtout dans le moment Saint-Anne, c'est sûr, hein? Et que je voyais beaucoup de saints, le peuple Pio. Et comme j'en ai vu, je pourrais vous en dire, j'ai marqué dans mon livre aussi. Là. Alors on va demander à Jésus ce soir d'entrer dans vos âmes, dans vos cœurs, pour vous guérir et vous donner les grâces que vous avez besoin pour vivre jusqu'au temps qu'il vous rappelle qu'on s'en va de l'autre côté pour le bonheur parfait. Le bonheur éternel. Alors c'est Jésus qui a souffert pour nous autres. C'est incroyable tout ce qu'il a pu souffrir. Et Marie partait connaissance à pouvoir la donner. Et les cinq femmes la lavaient pour qu'elle reprenne connaissance. C'était son bébé, d'ailleurs, qui était crucifié, qu'elle avait eu. Et trois ans avant qu'il vienne s'incarner. Imaginez qu'il a tellement aimé sa grand-mère qu'il n'a pas voulu qu'elle soit sur la terre quand il serait crucifié. Il savait que sa mère allait être la mère des douleurs. Alors il est venu la chercher trois ans avant. Il est venu chercher sa grand-maman, sa grand-mère. Il a ouvert le ciel qui était fermé à double tour à cause du péché, de l'impureté de nos premiers parents. Alors il est venu chercher sa grand-mère. Il l'a monté au ciel, comme ça. Et puis il savait que sa mère allait être la mère des douleurs. Ouais, son fils, là, sur la croix, brisé comme ça. Là. C'est à cause de nous racheter, hein, nous racheter, nous autres, les pécheurs. Alors il faut commencer à se sanctifier sur la terre, par nos souffrances, par nos maladies, par toutes sortes de choses qui nous font mal, et avoir toujours le pardon prêt, prêt le pardon, pour pardonner. Plus que les autres nous pardonnent, sans leur faire quelque chose. C'est important le pardon. Alors, c'est tout ça qu'on va enseigner et encore plein d'autres, imaginez. Hein? Et on va demander vraiment à Jésus de nous donner la capacité de passer à travers ce qui s'en vient. Les épreuves. Je ne peux pas mentir. Parce que je ne suis pas venue ici pour vous faire peur. Et grand-mère pour vous faire peur à ses petits-enfants. Elle est venue vous dire de demeurer en état grave. Vous ne savez pas l'heure et le jour que. Il va venir nous frapper parce qu'il nous aime par toutes sortes de choses. Je n'ai pas besoin de vous dire ce qui se passe sur la terre mais maintenant. La guerre, pour tout ce qui s'est dit, ça sort. Si ça ne s'accorde pas, nous devons avoir les autres, ça se tue avec le dos. Ça fait bon ça. 85% vivent avec un péché mortel sur la terre. Même si on ne va pas les chercher, lequel qui va aller les chercher? Les vrais ne valent plus. Et plus de rien. Les gens savent pourquoi c'est un commandement, un sacrement, qu'est-ce que ça peut avoir là? Je sais, moi, j'ai 5 heures de téléphone par jour, de souffrance, de tout. Madame, est-ce que je suis correcte? J'ai permis mes filles de venir coucher chez nous avec les autres chambres. Madame, vous folle? J'ai oublié de vous dire, moi, j'ai oublié de parler comme ça pour les Français, parce que c'est le démon qui va y passer. Je voudrais passer avant. Je cours une chance qu'ils se convertissent. J'ai dit, écoutez, vous risquez votre bonheur éternel, hein, pour faire, vous êtes aussi empêchés que d'autres. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Puis mon autre fille, elle s'est avec sa fille, avec une fille, elle accouche avec sa femme, elle ne peut pas avoir des mariages, des affaires de même, qui font à Paris. Alors, tenons-nous à un état de grâce, parce qu'il s'en vient des drames très gros. Il ne faut pas que vous ayez peur avec Marie et grand-maman Saint-Anne. On va passer à travers. C'est pour ça. Il faut se laisser aimer.
aille en état de grâce de l'éternel. On se voit l'heure et le jour que Dieu va nous appeler. Je fais notre tour. Et je voulais vous parler du ciel aussi. J'ai vu le ciel. Je suis allée au ciel. Dans mon livre, c'est marqué aussi. Hein. J'allais trois fois au ciel. La troisième fois, j'ai été une. J'étais assis à mon bureau. Et tout à coup, Vincent est à côté de moi. Il dit, Colette, je dois aller faire l'épicerie. OK? Oui, voici, il va faire l'épicerie. Alors moi, je répondais à Mylène. Et tout à coup, je viens tout engourdi. Et je pars de mon corps. Comment est-ce qu'ils font? Je ne sais pas comment est-ce qu'ils font. Je suis partie de mon corps, dans mon bureau, dans ma chaise. Et je suis, quelques secondes après, je suis allée au ciel. Avec un corps glorieux. Parce qu'on a un corps glorieux dans le ciel. On n'a pas aucune infirmité. On est tout beau. On est tout extraordinaire. En attendant d'avoir notre regard qui sera perfectionné à la fin du monde. Mais en attendant, quand on monte au ciel, on a un corps glorieux. Quand on meurt, puis on va au ciel. C'est Dieu qui nous fait ça. Un vrai beau corps. T'sais. Aucune souffrance. C'est le bonheur parfait. Le bonheur éternel. C'était, ça n'a pas de bon sens, je voulais plus de ça. J'étais une heure au ciel. Et tout à coup, j'attendais, de 5 minutes, comme ça que j'étais arrivée, là. Puis là, on reste, le cœur ne bouge pas. On n'a pas besoin de ça. C'est extraordinaire. Et là, on n'a aucune douleur. On est dans le bonheur parfait. Là, je dis, qu'est-ce que je fais ici, là? Je regardais partout un petit peu, là. Et tout à coup, je vois arriver dans mon ancien temps. Elle est très grande. Elle a 5 pieds et 8, certains. Je suis comme un enfant contre elle. Et là, elle est arrivée, tout habillée en blanc. C'était tellement beau. Elle s'en vient en avant de moi. Je n'ai jamais joué la sorte. Elle me salue. Qu'est-ce que je suis pour que la mère de Marie, la grand-mère de Jésus, me salue? C'était tellement extraordinaire. Elle a dit, Colette, je t'ai fait monter au ciel pour te remercier d'avoir dit ton mot d'amour pour tes frères et tes sœurs. C'est comme ça que tu vas les sauver, en disant cette vérité. Si tu savais comme c'est grand ce que tu fais sur la terre. Maintenant, j'ai un beau cadeau pour toi. Encore un autre cadeau, je suis rendue au ciel. Et arrive-moi, prends-moi par le bras. Il n'y a pas d'os. Je ne sais pas comment ils font pour se tenir. Il n'y a pas d'os. Je prends par le bras. C'est un corps glorieux. Alors, je prends par le bras comme ça. Les grands, vous êtes vrai. Mais en demain, j'arrive à la porte du ciel. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs. En tout cas, une belle porte du ciel. Les autres au ciel, les portes sont rondes, comme ça. Les portes sont en or. Un autre est long, là. C'est tout en or. Une belle porte ronde demain. Elle a dit, je vais te présenter les 5 que je t'ai montrés depuis 18 ans. Ça faisait 18 ans. Et c'était le 6 mars. Le 6 mars, savez-vous que fête? Qu'est-ce que c'est le 6 mars? Le 6 de mars, c'est la fête de Sainte-Colette de Corbie, ma maman, qui a fait la mission sans la mémoire avec Saint-Vincent Ferrier. On a dit, ça fait ça. Quelle délicatesse du ciel. Je ne peux pas inventer ça, on va passer des enfants. Et là, elle a dit, je vais te montrer, ils vont te saluer. Voyons, les 5 viennent te saluer pour, à cause que tu as dit ton amour, pour aller chercher tes frères et tes sœurs. C'est important la conversion. C'est pour ça qu'on va aller chercher nos enfants le plus vite possible. Comment ça se fait que je vais aller chercher les enfants, mère? Pour plus vite qu'une autre, tu es allé les chercher par l'amour pour commencer. Après ça, je vais inspirer tout ce qu'il doit faire. Hein? La messe, une fois par semaine, la messe. Jésus nous demande une fois par semaine, la messe. Puis lui, il nous fait respirer 24 heures par jour. Ça vaut la messe. On n'a plus besoin de ça. C'est plus grand, la messe, tout ça. Alors, il va falloir que les gens se réveillent. Absolument. Si elle m'envoyait faire ça, je suis obligée d'y aller, moi. Mais j'y vais par amour, par exemple. J'y
vais, parce que j'aime mes frères et mes sœurs, puis je veux qu'ils soient avec moi au ciel. Alors, faut que je leur dise. Et il a, imaginez, c'était extraordinaire. Là, j'étais rentrée au ciel. Alors, je vais ouvrir la porte et tous ces saints-là vont te saluer. Mais je dis quand même, mais qu'est-ce que je suis? Ils vont me saluer, c'est pas ton saint. Et oui, tu fais monter au ciel. Alors, là, elle ouvre la porte. C'était Marie. Elle est tellement belle. Oh, c'est extraordinaire. Elle est une petite Marie. Elle a 5 pieds. Elle n'a qu'en l'heure. Ça, c'est qu'on parle. Pire que ça, moi je vais pas partir avant vous autres.
Et puis, je vais vous attendre. Ceux et celles qui ont concru à la mission de cet arbre, c'est moi qui vais aller vous ouvrir la porte. Avec votre ange gardien, vous autres, et Marie et cet arbre, et on va vous présenter à Jésus tout de suite. T'es tellement tes frères et tes sœurs que c'est toi qui vas aller leur ouvrir la porte, cache au ciel. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que je vais faire au ciel, Carmona? Mais qui veux-tu me le dire? Hein? D'abord, tu vas être assis dans ton trône, et un beau trône au ciel, que tu as mérité parce que tu as dit ton oui d'amour. C'est tellement facile que je te demandais là. J'ai pleuré, j'ai larmes, tout ça. Je n'ai pas fait ça, mais c'était trop grand. Je ne suis pas capable de faire ça. Je ne dis plus de rien du tout. Jésus a caché aux sages, il a révélé aux petits. C'est ça. Et je n'ai jamais étudié la théologie, rien de ça, alors. Hein? Elle m'a donné la parole, tout ce que j'avais besoin. Parce que l'amour me mange tranquillement. Le grand amour, tu sais. Puis je veux que. Vous avoir tous au ciel un jour, quand ça sera le temps, ça sera votre tour de venir, nous trouver. Hein. Moi, c'est dans quelques années que je vais aller. Là. Elle va le dire. Là. Mais elle ne peut pas me dire la date rien de ça. Et elle m'a tapé dans mon oreille. Puis elle va le dire comme il faut, en guérissant le bruit que j'avais dans l'oreille. Elle a dit, je vais t'envoyer Saint-Michel Archange, ton patron de Michel, quand tu as porté son nom. Il va descendre et puis va te. Et pendant ton sommeil, tu n'as aucune douleur comme tu ne l'as pas à l'heure actuelle. Et là, il va venir. Ça va être extraordinaire. Il va te prendre. Il va prendre ton âme. Je ne sais pas comment tu es fait. Là, il va prendre ton âme. Et il va mettre ça en dessous de son. En dessous de son lèvre, en dessous de son lèvre. Et puis, il va monter directement au ciel. Et moi, j'ai été lui demander, j'ai été lui dire, les 25 ans, penses-tu qu'il va m'échapper? Parce que tu avais toujours été comme un ange. Tu es encore comme un enfant. Et les enfants, comme toi, ça va au ciel, tout de suite. Ah! Les deux vont m'entendre. C'est comme ça. C'est l'amour. L'amour, le feu qui est dans ton cœur, qui va t'entrer au ciel. Et là, Marie te fleurira la terre. Ça pour qu'elle veut dire par moi. Et ensuite, on te prendra par la main, on te conduira directement à mon petit fils Jésus. Écoutez, c'est quelque chose. Jésus t'ouvrira les bras, te remerciera d'avoir dit ton oui d'amour pour tes frères et tes sœurs. Alors, c'est ça, la mission Saint-Anne. C'est bien plus grand encore que je ne peux pas tout vous dire. Une semaine ici à le raconter. Je n'ai même pas raconté de miracles, rien, mais ça me raconte un petit peu. Mais je reçois trois miracles par semaine. Trois miracles. Des cancers, des autres opérations, toutes sortes de choses. Hein. C'est extraordinaire. On ne pensait pas que ça allait arriver, ça. Comme ça, avec lui. Alors, choisis une petite fille de rien du tout. Très pauvre. Hein. Et j'ai été. Si vous voyez mon ventre, vous auriez peur. 21 opérations là-dedans. Parce que le démon ne voulait pas que je fasse ça. Il m'attaquait. Et puis, le ventre me fendait. Et puis, mes tripes sortaient par là. Juste avant d'aller à l'hôpital. Puis, il me recousait. Ça restait toutes les bosses partout. C'est vraiment le cœur. M'arrête le cœur. Et souvent, j'écris une lettre de réponse. Hein. Pour convertir quelqu'un, et puis j'ai un bon coup de poing sur la main. D'amour. Et mes vitres sont cassées. Cassent mes vitres. Mes vitrines. Parce que, tu m'enlèves des arbres. J'ai pour les avoir avec ce que tu leur dis, mais je les ai plus. C'est comme ça. Mais je n'ai pas peur. Je l'ai vu comme il faut. Il ne faut pas les trouver parce qu'il est là. Extrêmement laid. Ça fait que faisons notre plaisir. Endurons notre souffrance et puis prions. C'est ça qui est important. Les coups, je vous dis, de prier ensemble. Les coups, quand même vous serez couché, au moins dites un
notre père, je vous appellerai par mon père, un simple coup. C'est mon famille, mais un simple coup. Parce que les coups sont importants, plus que vous pensez. C'est ça. Alors prions, n'ayons pas peur de dire je vous appellerai de plus. D'aimer Jésus tellement fort qu'il n'y a pas de place pour autre chose. Moi je vous le dis. C'est lui qui nous a sauvés. Il nous a ouvert les portes du ciel qui étaient barrées à tout le tour. C'est quelque chose, vous savez. Hein? Alors, c'est allons sans huile, non? La vie qui va m'aider, les jeunes. Et puis, on va faire mon sanctuaire. Et puis, tout le temps de m'aider, Marianne, va venir pour donner les prières. Pas les prières. Les briques. OK, les petites briques. En attendant, là, je vais préparer, là, puis on va ouvrir ça, la table. Il faut montrer tout ce que c'est que j'ai, c'est derrière. C'est pour ça un peu, là. Je vais m'amorcer ça tout de suite, là. Oui, bien, ça parle pas, ça. On demanderait à ceux qui sont malades. Qui reste au loin. De la prochaine avant, s'il y en a des gens avec des enfants, mais surtout ceux qui restent au loin, puis qui sont malades. On va passer les premiers. Les autres demeurent assis, probablement. Restez pas de bout en bout de l'allée. C'est ça, on reste ici, fascinant, on revient. Restez assis, parce que vous viendrez dans par temps, le 26 juillet 1992. Alors, je suis sorti sur sa table. C'est une petite madame qui a fait un corps de fausse corps. Hein? C'est une petite madame qui a eu. Puis, j'ai mis à pleurer.